On s'est tous donné des étiquettes. Mon nom, ma famille, l'origine, français, américain, italien, tout ça, ce sont des étiquettes et on se donne le rôle de ce qu'on on se croit être. Ce qu'on se croit être n'est pas américain, n'est pas chinois, n'est pas tout ça. Ce que l'on est vraiment, c'est au-delà de tout ça. L'étiquette ne fait pas ce qu'on est vraiment. C'est juste l'étiquette pour pouvoir nommer la chose qui, dans laquelle on se trouve, la forme dans laquelle tu as. Et on a fait un monde de formes. Et aujourd'hui, la forme est devenue très importante. L'identité de quelqu'un, c'est quelque chose de vénéré. Monsieur le président, monsieur le maire, on se donne de la valeur. Et on existe selon les rôles que l'on joue. Et ces rôles sont devenus, dans notre société, quelque chose de super important. Parce que nous voulons exister en tant que cela. Ce que nous avons, nous nous sommes promis d'atteindre, c'est-à-dire ce personnage, ce caractère qui s'est forgé et qui s'est promis d'être quelque chose, d'être honoré, d'être bien vu, d'être tout ce qu'on se promet à soi-même, de la valeur. On se met sur un piédestal et on trouve que là, il y a de la notoriété. Mais en fait, tout cela, ce n'est que l'image, l'identité. Ce que tu es vraiment au-delà de tout ça ne peut pas être touché. La peur que toute cette image disparaisse, c'est la plus grande peur que tu puisses avoir. Et en fait, on veut te faire croire que cette image, ce que tu es vraiment, ce que tu te donnes d'être, ce que tu tends à vouloir acquérir, eh bien, c'est toi. Mais comme tu penses que ça, c'est toi, alors tu as peur que cela sera détruit. C'est parce que tu ne sais pas que cela n'est pas toi. Ce personnage, cette étiquette n'est pas toi. Mais on s'est identifié à ça. Toute une vie durant, on t'a dit comment tu devrais être, ce que tu dois devenir, comment réussir. Et tout ce qui s'est forgé là, c'est quelque chose qui est venu à être et qu'on croit être cela. On s'est identifié à ça. Cette identification n'est que le résultat de notre croyance que plus on se construit, plus on est mieux. Plus on réussit, mieux on sera en sécurité. Donc, en fait, ce personnage, tout ce qu'on a fait de l'étiquette, on l'a valorisé. On l'a mis sur... on lui a donné le moyen d'avoir la notoriété et d'être reconnu par le regard des autres. Donc, nous sommes habitués dans ce monde à paraître. Paraître selon l'image, selon le corps, selon la notoriété que tu peux avoir, selon ce que tu as pu amasser à travers ton existence. Ça te donne en fait une identité. Cette identité n'est pas toi. Elle appartient à qui cette identité? Ben, elle appartient à ce monde. Ce monde, c'est dans toute l'identité, tout ce qui est matériel appartient à ce monde. Mais si tu t'identifies à ça, ça veut dire que tu es prisonnier de ce monde. Tu es prisonnier du matériel, de ce qu'on en pense, de ce qu'on en fait, tout ça. Tu es prisonnier, tu es américain, tu es chinois, tu es ceci, tu es cela. En fait, tu n'es jamais vrai, parce que tout ça, ce n'est pas toi. Au-delà de toute cette activité, au-delà de toutes ces images qu'on se donne à soi-même, il y a quelque chose qui est libre. Libre
de mots, libre de ce qu'il doit être. Il est comme il est. Et cette valeur, cette richesse, ce qui émerge là, c'est quelque chose qu'on ne peut pas contrôler. Elle est en dehors de l'identité, en dehors du plan matériel. On peut te contrôler. On peut te demander ta carte d'identité et faire en sorte que tu sois pénalisé par ce qu'on te demande d'être. On te demande d'être gentil, de ne pas te rebeller, d'être obéissant. Et donc tout ça, c'est l'identité qu'on attaque. Mais personne ne peut attaquer ce que tu es vraiment. Parce que ce que tu es vraiment n'est pas à la portée de ce monde. C'est une autre dimension. Et dans cette dimension, l'esprit, il est libre d'opérer. Et parce que nous ne savons pas opérer comme ça, en étant soi-même, vraiment soi-même, alors nous opérons à travers l'identité, à travers le rôle qu'on t'a donné. Et nous sommes un monde fait de rôles. On a des relations qui marchent avec les rôles qu'on se donne les uns les autres. Et comme on est dans ces relations-là, alors la relation, justement, parce que chacun veut jouer son rôle, la relation devient conflictuelle. Parce qu'on n'est pas vrai, on n'est pas ce que l'on est vraiment. Parce que ce que l'on est n'a rien à voir avec ce plan matériel. Et c'est le plan matériel qui fait qu'il y a une dualité, parce que le plan matériel est limité. Le plan matériel n'est que l'étiquette de ce qui est immuable. Tout ce qui existe autour de nous, c'est limité, sauf le plan immatériel. C'est un plan où il n'y a pas le temps, où ce que tu es est libre. Libre de tout ce qui est limité. C'est-à-dire toutes les idées que tu peux avoir, les croyances que tu peux avoir, les désirs que tu peux avoir, seront toujours limités. Et c'est cela l'identité que l'on a. On s'est forgé cela à travers toute une décennie. Ton père, ta mère t'a dit comment faire. Ton école te dit comment faire. Et nous nous sommes accoutumés à suivre la règle de toute une norme établie. Toutes les conclusions que l'on a, ce sont des conclusions faites selon le personnage qui a été forgé pour être au devant de la scène, pour créer ce monde que nous avons tous. Et ce monde, justement, il est en conflit avec lui-même. Et nous sommes, comme nous sommes identifiés à ce monde, nous sommes ce monde, alors on est en conflit avec soi-même, avec les autres, parce que en soi il y a ce qui est vrai et en soi il y a aussi le personnage, le caractère qui s'est forgé et qui veut s'imposer. Donc on ne sait pas vraiment qui on est. Et justement, cette chose qui est là, ce que tu es vraiment, ne peut pas être impactée. Peu importe qui est devant toi, tu ne le subiras pas. Tu ne seras jamais dépendant de personne. Tu es libre. Libre d'être ce que tu es. Donc l'identité, c'est le rôle. C'est ce que tu joues pour être bien vu. Et quand on te dit que tu dois faire ça, ça et ça et ça, si tu ne le fais pas, tu as une punition. Donc, tout est contrôlé. C'est un monde matériel où tout se contrôle. Et chacun a son mot à dire. Chacun voudrait contrôler l'autre pour que chacun puisse être dans sa zone de confort. Parce que cette zone de confort, c'est tout ce qu'on peut acquérir. Et tout ce qu'on peut acquérir nous donne un sens de sécurité. Mais en fait, on est tenu par cela. On est prisonnier de cela. Et la seule chose que tu puisses faire pour t'en libérer, c'est
de voir que tu t'es identifié à ce corps, à cet aspect matériel que tu t'es donné et que tu veux continuer à accumuler pour devenir ce que la norme établie exige. Et tant qu'on fera ça, eh bien, on ne comprendra pas ce qui est la chose qui est libre, ce que tu es vraiment. Tu vas le cacher, tu vas le mettre sous le tapis. Tu ne voudras pas exprimer cette chose qui n'est pas le bienvenu dans ce monde. Dans ce monde, cette chose crée des problèmes. Cet état immuable vient dans le monde et dérange tout. Tous les petits trains-trains que tu as entrepris, les habitudes, la zone de confort que tu t'es établi dedans, eh bien, l'expression de cette immuabilité que tu es dérange. Dérange le statu quo. Dérange ce qui a été prévu pour que tu puisses être en sécurité. Parce que cette sécurité, finalement, elle n'est pas la sécurité. Parce que ce que tu es viendra déranger. La vie viendra déranger cela. Donc il n'y a pas de sécurité. La seule sécurité, c'est quand il n'y a plus de combat et que tu cesses d'être celui qui veut devenir et juste accepter ce que tu es, l'immuable, l'éternel, sans commencement, sans fin. Alors, on pourra peut-être avoir une action juste autour de soi qui ne va pas enfreindre personne, puisque l'immuable ne demande rien, ne veut rien, n'attend rien. Il est inconditionnel. Il est là. Il est ce qu'il est. Et il ne veut rien faire pour que la vie soit agréable. Parce qu'il est rien. Il n'a pas besoin d'une vie agréable ou désagréable. Il est la vie. Est-ce que tu peux accepter une vie comme ça? Qui soit ce qu'elle est, pas ce que tu aimerais. Parce que ce que tu aimerais est une illusion. Ce que tu aimerais atteindre est l'illusion de ton désir. Tu te promets d'être celui qui sera valorisé, qui sera bien vu, qui sera reconnu. Mais c'est une illusion. Ça n'existe pas. Tout ce que tu peux faire, ce ne sera que du vent, de l'éphémère, de l'apparence que l'on donne. Mais la seule réalité, derrière tout ça, il y a une seule réalité. La réalité, c'est que tu es là. Et cette présence défie tout ce que tu peux entretenir dans l'espoir d'être.